Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre magazine Au fil de l'histoire. Où et quand est né l'homme moderne? Le mystère s'épaissit. Des fossiles d'Homo sapiens datant de 300 000 ans ont été découverts ici, à Jbel Irhoud, dans la province d'El Youssoufia. Cette authentification de l'Homo sapiens remet en cause le lieu et la date de nos origines. C'est une équipe maroco-allemande qui est à l'origine de cette exceptionnelle découverte scientifique publiée le 8 juin dernier dans la prestigieuse revue britannique Nature. Voici le crâne Irhoud 10, crâne qu'on avait trouvé pendant la campagne de 2007. Et c'est la principale trouvaille de cette année-là. Et à côté du crâne, nous avons également un certain nombre d'autres vestiges, en l'occurrence la mandibule Irhoud 11, que nous avons ici. Et cette mandibule, elle a été trouvée en contrebas par rapport à la position du crâne. Le crâne était à cette hauteur-là et la mandibule était, disons, pas loin de l'emplacement du crâne. Elle était en contrebas. Le site a été découvert de manière fortuite au début des années 60 et c'est suite à cette découverte fortuite que le site a été aussitôt pris en charge par des scientifiques qui ont mené des travaux dans le site pendant les années 60. Et ces travaux-là ont permis, ont donné des résultats importants. Et le site, disons, l'importance du site était connue par les spécialistes depuis les années 60 du siècle dernier. Il est vrai que nos trouvailles, disons, ont permis une meilleure approche, une réputation, disons, plus élargie. Mais il est vrai que, disons, nous sommes venus après une première génération de travaux qui a ses mérites. Et parmi les mérites, un ensemble de fossiles découverts pendant cette époque-là. Et d'autres acquis sur d'autres niveaux, sur le plan de l'approche en termes d'approche archéologique, une approche novatrice avec les travaux de Jacques Texier, qui a eu le mérite d'avoir établi la stratigraphie du site. Monsieur Abdelhad Bensal, vous êtes paléoanthropologue, vous avez co-dirigé le programme de fouilles de Jbel Irhoud, des fouilles qui ont démarré dans les années 60 et que vous avez repris en 2004. Et qu'est-ce qui fait que vous avez repris ces fouilles-là? Qu'est-ce qui vous titillait pour les reprendre? Alors, l'importance de ce site était révélée à la communauté scientifique et au monde entier depuis les années 1960. À l'occasion de travaux, d'une première génération de travaux. Le problème, c'est que cette première génération de travaux, avec la mise au jour d'un certain nombre de fossiles, avec de l'industrie lithique, de la faune, etc., et avec la date qu'on avançait à l'époque, qui était de 50 000 ans,
date, disons, basée sur l'analyse du carbone 14, avait situé l'âge du site à environ 50 000, on va dire. Donc, ne serait-ce que cette date posait problème à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que les données biochronologiques établies par la suite ont démontré l'ancienneté du site. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la datation qu'on avait avancée, ces 50 000 ans, fait qu'on est avec des fossiles qui s'entendent de ça, de l'âge qui leur convenait. Autrement dit, faute d'âge géologique convenable, ces fossiles sont restés démunis d'une interprétation qui soit claire et qui permet de les affecter au niveau qui leur convient. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé ce deuxième programme. Et l'engagement de ce programme était venu pour répondre essentiellement à cette problématique de date du site. Si vous voulez, c'est la raison fondamentale qui a motivé l'engagement d'un tel programme. Vous l'avez dit, c'est un programme qui a démarré en 2004, mais encore une fois, le site, il est connu depuis les années 60 du siècle dernier. Vous voyez toute cette partie-là, en fait, ça correspond au lieu où on avait engagé la première campagne de fouilles ou la première campagne de préparation du site, parce que cette partie-là était pratiquement, on va dire, remblayée avec des choses qui tombaient de la falaise. Il a fallu tout nettoyer et au moment où nous nettoyons, on était découvert sur le premier fossile. C'était à ce niveau-là, par ici. Et puis en avançant, avec les années, tout ça était couvert de sédiments. Et le sédiment arrivait jusqu'ici. Arrivait jusque-là, et c'était comme ça. C'était comme ça comblé. Donc au fur et à mesure de l'avancement des travaux de fouilles, des deux côtés de la coupe principale, on était arrivé à ce niveau-là, et c'est ici qu'on avait trouvé le fameux crâne Héroud 10. Mais il faut imaginer que ce crâne-là, il était comme ça, ici. Et juste à côté, il y avait un autre bloc, un bloc de pierre, comme ça, qui le calait, et par-dessus ce bloc qui calait, une fois qu'on avait démonté le crâne, et en démontant on voyait déjà un autre fémur qui était là, on avait le crâne comme ça, et le fémur qui était comme ça. Quand on a démonté le crâne, on a démonté le bloc de pierre, et en contrebas, on trouve la mandibule. La mandibule Héroud 11. Et ces trois fossiles, disons, c'est des fossiles importants, et les trois ont été trouvés en 2007, comme je l'ai dit. Donc ça constitue, encore une fois pour nous, une année de bonne récolte. La meilleure année de récolte, c'était cette année-là. En dehors de ces fossiles, nous avons trouvé, bien entendu, d'autres fragments de face, de maxillaires, des dents, etc. Mais, toujours dans la même couche, la couche où avait trouvé Texier son premier os qui est repéré, qui est coordonné. L'ensemble des fossiles appartient à cette couche. C'est ça l'élément le plus important. Et le fait de pouvoir dater la couche où on a trouvé ces fossiles, c'est valable pour l'ensemble des fossiles, que ce soit les premiers découverts dans les années 1960 ou les nôtres. Ah,
مرحبا بكم. الى الموقع اللي كاين قدامكم هو هذا. Ou le fait d'être remonté le hadlaj hadadil a beaucoup de signification, ça chamboule tout. Toutes nos connaissances ont pris un coup de, disons, tout est effondré. L'origine de l'homme, moderne, ou la Homo sapiens, tous les spécialistes s'accordaient le situer 200 000 ans avant le présent. Ou quand, disons, à l'intérieur des débats qui régnaient, l'Afrique du Nord était négligée. C'est ça. Je dirais le Maroc était négligé, il n'était pas présent dans les débats. Ou il y a des fossiles les humains, qui se rattachent à Homo sapiens. Et avec nos 300 000 ans, donc le coup de, disons, l'origine de l'homme a pris un coup de vieux. Ce crâne a été écrasé, a été complètement écrasé. Et on a des parties qui nous permettent d'identifier chaque partie du crâne. J'ai là un crâne actuel. Vous voyez ? Alors essayez de suivre avec moi. Alors normalement ici, vous avez les orbites, les deux orbites. Et vous avez cette partie-là, ici. Vous voyez comment il se présente là. C'est exactement ce que nous avons ici. Donc vous avez l'œil droit, si je puis dire, vous l'avez ici, normalement. Ce qu'il en reste, il reste juste cette partie-là qui est conservée. Le reste, on l'a perdu. Tout ça, on l'a perdu. Tout ce qui relève de la face, on l'a perdu. Donc vous avez cette éminence-là. C'est ce qu'on appelle, disons, le processus mastoïde. Et c'est cet os qui se trouve là. Et c'est ce qu'on a à ce niveau-là. C'est exactement ça. Derrière l'oreille, il est là. Donc ça confirme ce que je disais. Alors maintenant, l'arrière-crâne, cette partie-là, il est préservé. C'est ce que nous avons ici. Il est là. Il est ici. Pour des considérations, on va dire, taphonomiques et considérations géologiques, etc., le crâne a été écrasé sous une pression quelconque. Et le résultat, c'est ce que nous avons ici. Ces trois pièces-là, le crâne, le fémur et la mandibule, on les a retrouvées pratiquement côte à côte. Et quand on voit leur position sur le terrain, donc nous avons le crâne, le premier crâne qui est là, et le fémur que nous avons là, il était là, à ce niveau-là. La copie, elle est là. Et vous voyez, c'était comme ça. Donc l'original, elle est là. Et là, vous avez une copie conforme, comme il était sur le terrain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le bloc-là, il masquait la mandibule. Donc il devait être là, à ce niveau-là, comme ça. Et à propos de la mandibule, comparée à d'autres à l'échelle, je suis tenté de dire à l'échelle mondiale, c'est la plus belle mandibule du Paléolithique moyen, du Middle Stone Age. Monsieur Bensar, on est là dans la réserve naturelle donc de Msabiha Tla. Quelle est un peu l'importance de cette réserve dans la compréhension de l'Homo sapiens d'il y a 300 000 ans ?
Alors c'est un avantage d'avoir une réserve pareille, parce que ça permet la régénération d'un biotope qui correspond au biotope qui existait à l'époque d'Ormdirude, c'est-à-dire il y a 300 000 ans. Et c'est un biotope qui présente les caractéristiques, disons, du milieu dans lequel vivait cet homme préhistorique d'Hérode. Nous avons des prototypes d'animaux également qui existaient à l'époque, en l'occurrence la gazelle. La gazelle qui était un animal, je dirais, ou le gibier que préférait cet homme d'Hérode, sachant qu'il y a d'autres animaux, mais la gazelle, c'est le gibier de prédilection. Alors, comme vous me disiez donc tout à l'heure, donc c'est vrai que pendant les fouilles archéologiques, il y a eu quand même certains ossements de gazelle, mais il y a eu quand même d'autres ossements. C'est pas bien le seul gibier utilisé l'Homo sapiens de 300 000 ans. Disons la gazelle, c'est l'animal qui se trouve le plus représenté dans le site. Mais sinon, il y a d'autres animaux, tels que le zèbre, tels que d'autres animaux qui sont, disons, sauvages, tels que les hyènes, le lion, etc. Mais dans le niveau archéologique, disons, qui correspond à la présence de l'homme, où nous avons des fossiles humains, l'animal le plus représenté, c'est la gazelle. Et par conséquent, nous interprétons ça par le fait que c'est l'animal qu'il préférait, c'est l'animal qu'il chassait davantage. En dehors des fossiles humains, bien entendu, il y a beaucoup d'autres matériels. En l'occurrence, j'avais parlé des restes d'animaux, mais il y a aussi d'autres vestiges qui sont les pièces lithiques ou les assemblages lithiques. C'est des pierres taillées, de la pierre taillée. Et ces outils sont de différentes formes. Et parmi ces formes, nous avons certaines qui sont adaptées justement à la chasse. Et c'est par le biais de ces outils-là qu'ils fabriquaient des espèces d'armes, on va dire, qui vont lui permettre... Des flèches, oui, tout à fait, qu'il agençait sur des morceaux de sous forme de... ça ressemble à un javelot, si vous voulez, c'est de cette forme-là. Et c'est avec ça qu'il chassait le gibier. Faire attention au montant, même si on a aménagé ici des marches qui permettent de rendre l'accès facile, parce que c'est au niveau de cette plateforme-là qu'on installe notre station totale pour pouvoir coordonner l'ensemble des données à partir d'ici et le contrôle de... Alors justement, quand vous dites vos coordonnées, j'imagine que votre équipe est très importante. Qu'est-ce que justement vous pouvez nous dire sur cette équipe internationale? Parce que c'est un programme, certes, maroco-allemand, mais vous m'avez dit qu'il y a quand même de nombreuses nationalités. Oui, alors il est important quand même de rappeler que ce programme est régi par une convention. Une convention qui engage deux établissements, deux institutions. En premier, l'Institut national des sciences de l'archéologie du patrimoine, qui représente le Maroc. Et le deuxième établissement, c'est l'Institut Max Planck, qui est une institution, disons un établissement plutôt allemand.
Mais dans ce cadre-là, nous avons différents autres partenaires qui viennent, étoffer notre équipe. Et on a des partenaires qui viennent de on a vu passer ici des Autrichiens, de l'Autriche, de Belgique, de France, et puis des États-Unis d'Amérique, etc. Et tous ces membres-là font partie de l'équipe. Pourquoi ils font partie de l'équipe? Parce qu'à partir du moment où l'on contribue à une fouille, la contribution, il commence à partir du moment où on touche à l'objet jusqu'à son démontage. C'est un travail, je dirais, à la chaîne. Il y a la première main qui gratte, la deuxième main peut-être qui démonte, la troisième qui emballe, la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à l'étape étude, et puis après il y a la publication. Donc tout ça, c'est un travail en chaîne, et ça implique beaucoup de membres. Et notamment des petites équipes marocaines. Absolument, mais j'ai cité les partenaires étrangers, mais bien sûr, l'équipe marocaine, nous avons les principales disciplines ou spécialités qui sont couvertes, la géologie, la paléontologie, la préhistoire ou l'industrie, tout ce qui est en rapport avec l'industrie lithique, etc. Et puis les spécialités que nous n'avons pas, on fait appel à des partenaires étrangers dans un cadre disons de collaboration scientifique. Donc finalement, comme j'ai dit, c'est un travail d'équipe de A jusqu'à du début jusqu'à la fin. Maintenant, ce site qui est malheureusement menacé, la première des choses à faire, c'est d'abord de le classer patrimoine national parce qu'il ne l'est pas encore. Ils n'entendent pas qu'il faut instaurer de manière juridique par le biais de ce classement. Pourquoi pas un patrimoine mondial, d'autant plus que, maintenant je le répète, ce mur, c'est 300 000 ans d'histoire de l'humanité et que c'est maintenant l'affaire de l'humanité entière. Je crois qu'un classement patrimoine mondial est largement mérité.